J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo YouTube, les gars. Ça fait quelques temps que je n'ai pas sorti de vidéo, mais les gars, avec la reprise des cours, c'est un peu plus compliqué. Aussi, avec la recherche de concepts de vidéos pour les futures vidéos sur cette chaîne, ça prend un peu plus de temps que prévu, malheureusement. Donc bon, au mois de septembre, j'ai bien duré, j'ai réussi à faire une vidéo par semaine le mois de septembre. Malheureusement, je vais devoir réduire les vidéos, mais il y en aura toujours, évidemment, les gars. Les gars, ça fait 2 semaines, j'ai pas fait de vidéo depuis la sortie ou combien de temps pour scroller 1000 TikTok. Ça fait 2 semaines que la vidéo elle est sortie puisque je tourne cette vidéo le vendredi, donc malheureusement, ce vendredi-là, pas de vidéo, mais j'hésite à la poster le lendemain. Je vais pas vous mentir. Ou après, je me dis, peut-être cette vidéo, je la poste vendredi prochain, comme ça en plus, c'est les vacances, donc tranquille, les gars. Alors, les gars, dans cette vidéo, je vais vous présenter ma collection Prime. Donc, ma collection Prime, les gars, c'est les bouteilles Prime depuis que j'ai commencé ma chaîne YouTube. Et je fais des vidéos sur les bouteilles Prime. Pour ceux qui m'ont suivi la petite série de dégustation de bouteilles Prime, je vous en remercie. C'était une belle petite série. C'était aussi mes premières vidéos YouTube, ma première et ma deuxième vidéo YouTube irréelle sur cette chaîne YouTube, les gars. Ma collection de bouteilles est juste là. Elle est juste là, les gars. C'est magnifique. Alors, on va retracer cette petite aventure bouteille par bouteille, vidéo par vidéo. Les gars, nous allons commencer par la première bouteille Prime que j'ai goûtée. C'est évidemment la classique, les gars. La bouteille Prime bleue. Donc, c'est Blue Raspberry, la saveur. La bouteille Prime bleue, les gars. Comment j'ai trouvé cette bouteille? Je l'ai trouvée tout simplement en magasin, dans un Carrefour, mais non. Cette bouteille-là, je l'ai trouvée dans un Action, les gars. Mais sinon, les gars, dans mon Carrefour, il y en a aussi. Cette bouteille, c'est la classique, on va dire, la plus connue, la classique, les gars. Donc, voilà, la bouteille Prime, Blue Raspberry, les gars. Aussi, les gars, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez déjà goûté Prime, les gars, la boisson de Logan Paul et KSI, les gars. Ok, la deuxième bouteille Prime. De toute façon, les gars, on va faire un petit résumé en fin de vidéo. Ne vous inquiétez pas, les gars. Les gars, j'ai tout mon temps là, les gars. Je profite de vous parler de faire une vidéo puisque, les gars, il n'y en aura plus tellement souvent, les gars. Donc, je profite de ces moments. J'essaie de produire le plus de vidéos, les gars. Mais en ce moment, trouver des concepts, c'est un peu compliqué. J'ai plus trop d'inspiration, les gars. On fait avec, les gars. Je vais réfléchir, je vais trouver des choses. La deuxième bouteille Prime que j'ai goûtée, pour ceux qui ont suivi la petite série de dégustation Prime, vous savez très bien ma liste, du coup. Deuxième bouteille Prime, la Lemon Lime. La bouteille Prime de couleur verte, franchement, les bouteilles sont vraiment jolies. J'allais faire une petite. Bon, non, c'est très bien comme ça. Hop. Bon, les gars, j'ai replacé la caméra, les gars. Donc, du coup, je disais que celle-là, c'est la deuxième bouteille Prime que j'ai pu goûter. Hop, je vous la mets bien dans le champ de vision, comme ceci. Par contre, je ne me rappelle plus des notes et d'un avis sincère du moment voulu.
Si vous voulez les notes et mes avis sincères sur les saveurs Prime que je vais vous présenter dans cette vidéo, n'hésitez pas à aller checker mes dernières vidéos pour en savoir un peu plus mon ressenti, mon avis sur les saveurs que j'ai pu goûter. Ok les gars, attendez, oui, c'est la troisième bouteille Prime que j'ai pu goûter. Elle est très jolie. Le drapeau de la France, si on la met comme ça, comme ceci. La Prime Ice Pop, les gars. Alors, quand j'ai goûté cette boisson, les gars, pour moi, dans ma tête, c'était la meilleure. Les gars, c'était la meilleure boisson Prime, les gars. Les gars, quand j'ai goûté la première fois, j'ai pété mon crâne, je m'en souviens, les gars. Tellement qu'elle était bonne, les gars. J'avais souvent vu des avis négatifs de cette. Ah, les gars, les risques. Hop, je replace ça comme ceci. Hop là. Les gars, quand j'avais goûté cette boisson, les gars, c'était top 1 pour moi. Top numéro 1. Et du coup, les gars, j'avais vu des avis négatifs sur cette boisson. Bon, bah, disons que le goût n'était pas au rendez-vous, on va dire. Mais moi, quand je l'ai goûté, en fait, j'avais une vraie appréhension, mais pour moi, celle-ci, elle était vraiment grotesque, les gars. À ce moment-là, top, hein, littéralement. Voilà, les gars. La prochaine... Ok, si je me rappelle. La prochaine saveur Prime que j'ai pu goûter, les gars. Attendez, les gars, laissez-moi juste... Voilà, au moins, ça prend moins de place dans le champ de vision. Voilà. Hop là, la prochaine saveur que j'ai pu goûter en vidéo, c'est une bouteille que j'étais très surpris de voir dans mon magasin Carrefour. C'est la bouteille Prime jaune Lemonade. Surprenant d'avoir pu trouver ça dans mon Carrefour, honnêtement, puisque pour ceux qui le savent, il y a une collaboration Prime avec Amine Mathieu et que genre il y a eu genre un... Enfin j'ai vu sur les réseaux sociaux un post qui disait qu'il y avait la bleue, la verte, la Ice Pop et la rouge en Prime en France. Mais du coup je pense qu'il y a des nouvelles saveurs qui vont arriver très prochainement en France. Du coup cette boisson franchement... Elle était plutôt pas mal, elle était même plutôt très bonne, mais que à mon goût, c'est en dessous de la Ice Pop, selon moi, évidemment. J'avais goûté, ouais, mais franchement, elle était vraiment super bonne. Les gars, ça manque de ouf de faire des dégustations de Prime, les gars. Parce que les gars, j'ai déjà quand même testé 6 saveurs, les gars. Bon, je pense que... Il reste encore des saveurs Prime à goûter, mais sauf que bon, c'est compliqué de les avoir. Et on va dire que là, c'est les classiques. On passe à l'avant-dernière bouteille que j'ai pu tester en vidéo. Et c'est la Tropical Punch, les gars. Voilà, les gars, comme ceci. La rouge, les gars. En même temps, je fais la miniature. Je sais pas, donc, les gars, je tape des pauses. Je sais pas les gars. La Tropical Punch. Alors celle-ci, j'ai un peu un mauvais souvenir avec cette saveur les gars. Alors les gars, elle est bonne, mais tu peux pas trop boire. C'est-à-dire au plus que tu bois, c'est mon avis les gars, mais j'ai l'impression au plus que je buvais cette saveur Prime, j'avais un peu du dégoût, je sais pas, c'est... Le goût est un peu particulier. En tout cas, si vous testez cette boisson, vous allez peut-être remarquer que si bah, vous prenez plusieurs gorgées, qu'il y a une... Enfin, il y a... C'est bizarre, mais... C'est pas comme les autres saveurs Prime, quoi. Je sais pas comment expliquer ça, mais un peu lassant, on va dire. Que le goût, il est... Il est particulier, quoi. Les gars, on va immédiatement passer au banger, les gars. Ah oui, d'ailleurs, bah du coup, celle-là, je l'ai trouvée à Action.
mais il l'a aussi dans mon Carrefour. Celle-ci, Carrefour, Carrefour, Carrefour et Carrefour. Mais les gars, on va passer à la dernière bouteille Prime, les gars. Les gars, c'est une vidéo récente en plus. Cette saveur, je l'ai testée il y a 3-4 semaines. Ça dépend à l'heure où vous voyez cette vidéo. Ça passe super vite, les gars. Et du coup, les gars, voilà. La Prime Rose goût strawberry watermelon. Les gars, j'ai trouvé ça à mon Leclerc à 2 km de chez moi. Les gars, c'est la meilleure boisson Prime que j'ai goûtée sur les 6 boissons là, les gars. Donc du coup, les gars, celle-ci, elle est passée top 1, les gars. Les gars, je vous jure, les gars, cette boisson, elle est incroyable. La rose, les gars. Je sais pas si vous, à mon avis, vous voyez, mais Ami Mathieu, à un moment, il était accro à la boisson Prime Rose. Ah, franchement, je le comprends. La saveur, le goût, il est magnifique. Ah non, mais faut être honnête, il est magnifique, les gars. Du coup, ça, top 1 dans mon classement. On va en faire un petit classement. Ça, c'était top 1. La Ice Pop, top 2. Ensuite, je pense que j'avais mis celle-ci, top 3. Alors, ça, ok. Et je pense que ouais, ça. Hop. Oui, je m'en rappelle bien, évidemment la rouge. En dernier, les gars. Bon, on me voit presque plus au champ de vision de la caméra. Mais voilà, les gars, vous avez mon classement. La Prime Rose, la Prime Ice Pop, drapeau français, on va dire. Prime jaune, la Prime bleu, la Prime vert et la Prime rouge. Sauf que les gars, tous ceux-là, là, ils sont super bonnes. C'est juste que je dois faire un classement selon mes choix. Celle-là, bon, pas top, mais je pense j'aimerais bien la regoûter un jour. Les gars, j'aimerais prévoir un jour une vidéo où je retrouve, peut-être pas tous, mais j'aimerais minimum retrouver 4 bouteilles Prime. 4 saveurs ici et les regoûter en vidéo, les gars. Je sais pas, mais en vrai, j'ai envie de le refaire, mais je pense que ce sera pas la même saveur que quand c'est la première fois que je goûte les saveurs, les gars. Donc voilà, les gars, celle-ci numéro 1, les gars, elle est super bonne, celle-ci, les gars, je vous assure. Voilà, donc voici ma petite collection de bouteilles Prime, les gars. Je vais essayer de re-être actif les prochaines semaines, tout simplement. En ce moment, j'essaye de trouver des concepts à réaliser. Récemment, j'ai refait un gros concept. Donc, le combien de temps pour scroller 1000 TikTok, ça prend pas mal de temps de ma journée à produire cette vidéo. Également, le montage. Je me rappelle cette vidéo, oui, le montage m'a pris 1 heure et demie à faire les cuts, la musique, tout ça. D'ailleurs, je suis pas sûr, mais je crois que dans la vidéo, il y a un gros bug où on n'entend pas la musique. Donc, je suis désolé. Après, c'est peut-être à cause de ça que la vidéo a moins marché que d'habitude. La vidéo, elle a fait quelques vues, alors que ce concept, je suis dans les alentours de 15-20 vues, donc ce qui est plutôt pas mal pour moi. Sinon, les gars, j'hésite à faire une vidéo que je peux faire maintenant. Non, je ne dirai rien, les gars, parce que si ça sort, je ne vous spoil pas, les gars. Mais sinon, les gars, on se retrouve peut-être la semaine prochaine pour une toute nouvelle vidéo sur YouTube. C'était Wiz. Ciao!